car vous l'entendez vraiment partout en ce moment, c'est une chanson de Jean-Patrick Capdevielle. Bonjour. C'est bien, c'est à toi. Ouais. Alors, il reste deux tirages au sort à faire. Le nom, tout d'abord. Le nom, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui vit à Amiens dans la Somme. Il s'appelle monsieur André Cresson. Monsieur André Cresson devrait gagner... Cathy. Ce monsieur vient de gagner 3 cochons. C'est intéressant. Offerts par les éleveurs bretons. Alors il a le choix. Ces 3 cochons ou l'équivalent de leur poids sous forme de conserve et de salaison à répartir dans l'année. Note de l'auteur, je ne sais pas qui est l'auteur, il s'agit de 3 cochons bien français. Qu'est-ce que tu choisirais, toi? Je crois que je prendrais les trois cochons et j'éviterais de les tuer, si possible. Ah bah oui. Ah d'accord. Ok, la place des chiens. Merci Jean-Patrick. Jean-Patrick Capdevielle, je vais vous parler d'abord de ses classements, 35e à RTL, c'est une bonne place, 52e à Européen et 46e, 8 de Radio Monte Carlo. Je vous propose de rentrer maintenant dans un monde très particulier, celui d'Halloween, Jean-Patrick Capdevielle, Halloween, chanson numéro 4. Cœur de pierre.
c'est trop tard pour rien. Succès, succès numéro 4 dans ce ring parade. Halloween, Jean-Patrick Capdevielle. Alors.